Composé.
des milliers de chiens sauvages. Évidemment. Dorénavant, vous allez tous un par un avec ces chiens sauvages. Tous l'un après l'autre, je veux vous faire l'amour avec des chiens sauvages. Chaque chien recevra la bénédiction pour toute nourriture qu'un jour durant et en sortant la meute sera presque totalement sainte. Manquera plus qu'un tout petit sacrifice, mais ça posera pas de problème. Vous êtes chrétien, non? Vous êtes martyr? Nein! Globalement, on n'arrivait pas trop à savoir si tout ce discours était que l'introduction à un long récit, que de toute façon, on valait mieux, je commençais à partir, ne pas entendre du tout. Mais du moins, pouvait-on respecter et attendre, ou partir. Ou si, au contraire, il n'y avait rien après, si tout ça n'était pas une tentative de Kinski pour constituer un peuple hostile et se faire crucifier sur place. Dans un groupe, à gauche, vers la troisième rangée, on soutenait cette thèse en chuchotant. Je parie qu'il a une croix et trois clous en coulisses et qu'il fait tout ça exprès pour avoir des photos sans cesse dans le Spiegel. Kinski, 1926-1971, mort pour la foi. Ça sonne bien, hein, gros titre. Je les ai détestés. Dans la banque du quartier, 10 ans, on exécrait les poussins. On s'en faisait les poings américains, ça saignait tout le long du bras. On était des grands chefs, le plus fort. On enrobait les poussins dans la terre molle, on se les jetait, protégés ici par une raie là, par un fourré. Une rue séparait nos touffus, châteaux forts, végétaux. On en avait une réserve quand mon père en élevait. Donc on va commencer avec une anecdote bien meurtrière. L'appellation contrôlée qu'il donnait ordinairement à la mère. J'aurais trouvé ça drôle ou idiot si le père avait fait autre chose comme métier. C'était déplacé scabreux qu'il use du mot poule pour appeler maman. Donc il appelait maman ma poule, et maman appelait mon poussin, sa progéniture fleurie de la voie, et c'est moi. C'était une drôle d'idée, toujours, on a drôle d'idée dans la famille. Et moi, une fois, j'ai trouvé un canard tout petit, genre le Saturnin, lequel m'effrayait par ailleurs. J'ai vu un canard, une drôle d'idée, c'est que les canards marchent par deux, invariablement deux en un, et les poussins par milliers. C'est pour ça que je trouve qu'ils sont déplacés dans les revues, seuls, et aussi lorsqu'on appelle poussin son enfant. Et j'ai une véritable compassion aujourd'hui pour ces poussins esselés, déportés. Donc autrefois, j'ai vu un canard mort sous une passoire à nouilles et enfermé à part... Thank you.
deux ou trois petits chiens. Et les jours très tout froids. Et les banquiers, par les juges, et les bourreaux, par les chefs de l'église, et les autres représentants du pouvoir. Je suis pas votre superstar, je joue pas le rôle sur vous, votre croix, vous me frapperez plus sur la gueule. Je suis calé à mort de vos rituels. Ça pue la chair brûlée dans tout votre corps. J'écoute plus vos jérémiades. Et ici, en partant au dos de ma tranquillité d'esprit, est-ce que tu m'aimes? Ça va comme ça? Projet politique pour toute l'espèce, mais rien pour les truites. Faites en compagnie des microbes ces profondes petites êtres, tandis que dehors sont les chiens et les magiciens et les fornicateurs et les meurtriers et les idolâtres et quiconque aime et fait le mensonge pour être pardonné. Le Jésus historique vient vous faire chier chez vous. Voici venir le clochard pyromane qui mettra le feu à vos gosses. 7 chevaux baies, 7 chevaux noirs, unitariens, portugais, goa, jésuites, hollandais, et tous ces rois porcins, et toute cette bande de fils de pute de zaporogues. Avez-vous le niveau? Non? Est-ce que vous avez le niveau? Non? Vous n'êtes pas à niveau, sous le niveau, juste en dessous alors. Il faudrait être là, ici, le niveau, ici. Vous voyez la différence? Il y a une différence, admettez, quelle différence? Là, minimum requis ici, n'oubliez pas, restez toujours sous, franchissez jamais, ça c'est vous. Et là, niveau, vous, le point, le niveau, la ligne. Comme un mur, escaladez pas, collé au mur. À la limite du niveau, mais ne laissant pas venir à franchir, moi c'est là, on vous voit bien approcher. Le point, vous ne pouvez jamais franchir la ligne, restez en ça. C'est net. Vous approchez du niveau, mais vous ne passez pas toujours du même côté, collé au mur, que faites-vous? On y recule un peu pour prendre de l'élan. Préférez coller votre nez, plus bouger, pas de prochaine étape, si vous ne revenez pas au terme. Étape, les limites du cadre, voyez, les limites du cadre, suivez mon doigt, vous le cadre, ah! Si vous ne parvenez pas à hausser votre niveau, vous restez à l'intérieur.
L'intérieur du cadre, c'est vous. Pourriez-vous évoluer dans les limites du cadre, tenter de contourner les limites pour passer, vous tentez rien, pointe des pieds, vous croyez quoi? Le niveau est tel qu'il ne pourra jamais descendre. Verra-t-on un jour le niveau descendre jusqu'à vous? Pensez-vous qu'en attendant, le mur finira par s'écrouler ou la ligne, luttez-vous pour atteindre le niveau supérieur? Non! Capable de vous contenter de votre niveau? Non! Un niveau catastrophique serait plus facile à rattraper, n'est-ce pas? Deux, trois, pas d'élan et hop, trop fier avec votre petit niveau, pas mécontent au fond. Comment comptez-vous vous y prendre? Êtes-vous décidé à vous surpasser? Jamais tournez-vous à votre objectif à vous. Ici, à combien évaluez-vous l'utilisation de vos compétences? Il y a un niveau moyen, mais vous visez plus haut. Pressé d'atteindre le niveau, franchir le niveau, devez aller là, mais ça y est, au milieu, impatient, maladroit, pas mûr pour la prochaine étape, faites du surplace. Regardez ce point qui clignote quand il est rouge. Si vous vous activez vainement, attention, un point rouge n'est pas un point mûr. Humour, point rouge, surchauffe. Si vous voulez, je colorie la ligne en vert. Comment expliquez-vous que certains atteignent le niveau? Pensez-vous mériter votre niveau actuel? Situez votre niveau par rapport au niveau des autres. Pas sur la bonne ligne, gars. Une ligne, vous êtes juste à côté, pas choisi la bonne, jamais trop tard pour changer de chemin. Vous longez la voie, regardez sur votre gauche, elle est là, c'est trop bête. N'oubliez pas. Regardez devant vous le mur, oui, regardez le mur de près. Que fait la voie? Que font vos pieds? Décalez-vous sur la gauche, avez-vous peur? Barrière, balise, cadre, limite, c'est vous. Le point rouge, le niveau se gagne, gagnez un nouveau niveau. Le nouveau niveau vous portera, ne soulagez pas. Un pas à gauche, pas le moment de flancher. Personne n'en veut. Quelqu'un estime que ça peut valoir le coup, puis se ravise quand quelqu'un s'amuse à faire croire que oui, ça pourrait marcher. Alors là, les choses sont bien comme ça. Comment arrêter? Je crois pas un seul mot de ce que vous dites. Pour payer, pour l'accès.